Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière, car je saute en parapente et c'est la première fois que je saute. Nous voilà enfin arrivés au Grand Bornand, donc un petit village plutôt sympathique, avec des maisons faites en bois, avec la forêt juste en face. C'est plutôt joli. Donc là, on a la belle forêt et aussi on a les Aravis. Donc c'est des montagnes enneigées. Donc apparemment, ils sont tout le temps enneigés et ils sont vraiment magnifique. On a cette impression d'être tout petit par rapport au décor, donc les montagnes qui sont plutôt grandes et la forêt qui est plutôt vaste. Et ces petites cabanes en bois donnent un peu de cachet par rapport au décor. Ça fait pas trop tache par rapport au béton. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Je voulais tout vous filmer de A à Z, mais je n'ai malheureusement pas pu récupérer car la carte SD a lâché. Donc du coup, j'aurai pas le moment où le moniteur m'équipe. C'est dommage parce que je lui avais demandé de m'expliquer un peu l'équipement et tout, donc ça aurait pu être un peu sympa. Et j'ai pas non plus le moment où je décolle, donc du coup, ça sera pas moi qui va décoller, mais quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même l'arrivée, donc je vous laisse voir le petit diapo que je vous ai fait. Et après, ça sera la fin de cette vidéo. Nous voyons enfin de là où je vais décoller. Donc c'est le Mont Lacha qui est tout en haut. Donc comme c'est la première fois que je saute en parapente, je suis un peu anxieux quoi. Donc on va voir ça tous ensemble. Et j'espère que cette vidéo sera plutôt agréable à regarder. Dans cette petite vidéo, le moniteur m'a laissé diriger le parapente, ce qui était plutôt cool. Et m'expliquait en même temps que nous étions partis à 2000 mètres pour monter à 3000 mètres pour redescendre à 1000 mètres. Ce qui était plutôt intéressant, mais avec tout ce vent, vous n'avez pas pu entendre tout ce qu'on s'est dit. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit message. Bonne vidéo! Thank you.
que les montagnes d'ici, c'est... T'es prêt? C'est super. Allez, joli. Petit virage à gauche. Ouais. Et là, j'envoie à droite. Au début, ça va doucement. Elle ça va tranquille. Elle se calme dans le virage. Et maintenant, elle accélère, tu vois. Ouais, mais c'est plutôt calme. Ouais, c'est bon. Là, ça accélère encore un peu. On va faire encore un tour. Ouais. C'est bon, nickel. La sortie pour digérer d'enfer. Faut pas avoir mangé une grosse choucroute avant. C'est ça, j'ai rien mangé avant pour être sûr. Là, je te reprends la caméra. Ouais. Atterrir, la sensation est beaucoup moins stressante et ça fait beaucoup moins peur que je pensais. Après, c'est vrai qu'on se met souvent la pression au décollage quoi, quand c'est la première fois, mais ça fait pas si peur que ça, même si dans le premier truc sensation j'ai fait une tête quelque peu on aurait dit un pruneau, mais ouais, ça fait beaucoup moins peur que je pensais et c'est plutôt cool quoi. Bonne sensation, ça fait plaisir. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo, donc cette journée plutôt sensationnelle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce type de contenu, mais si ça met beaucoup de temps pour mettre en place. Mais bon, c'est plutôt sympathique déjà pour moi, parce que c'était vraiment mon premier saut en parapente, donc je voulais faire une vidéo dessus. J'espère que la vidéo aura une bonne qualité et que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, ou alors venir parler avec moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et si tu as envie de m'aider financièrement, tu peux appuyer sur le petit icône Tipeee qui te dirigera sur mon compte Tipeee, et là tu peux donner ce que tu as envie. Allez, à la prochaine et merci à tous. Donc, le sujet principal, c'est toi quand même. T'es prêt? Ouais. Petit virage à gauche. Après, j'envoie le virage à droite. Au début, ça va doucement. Ouais, et ensuite, ça va aller plus maintenant, vite. Maintenant, elle se calme au virage. Maintenant, elle accélère. Voilà. Regarde la caméra en face. Non, ça ne risque rien. Ok, on y gagne. La sortie pour digérer, c'est d'enfer. C'était la séquence frisson. Ah, je pense qu'on en refait un, mais parce que là j'ai fait une tête pas possible. Tu vas en refaire un? Pas tout de suite, mais ouais. Si on pourra en refaire un, ouais, parce que là j'ai fait une tête. Là on va poser dans 3-4 minutes. Hein. Donc on peut en refaire un, on va filer un peu en direction du terrain d'atterrissage et puis on aura tout le temps d'en refaire un tranquillement. Ouais, parce que là j'ai fait une tête, mais je m'attendais pas. Ça surprend la première fois. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme.